La MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, a tenu son assemblée générale ce 11 septembre 2023 à son siège situé au quartier Ndogbon, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ces assises avaient pour objectif majeur la validation des propositions de résolution du conseil d'administration tenu le 6 septembre 2023. C'était également une occasion pour la présidente nationale et fondatrice de faire une mise au point sur les écarts de comportement de certains membres. Écoutons Sarah Beboy-Kuta, présidente nationale et fondatrice de la Mutuelle des personnes âgées du Cameroun. Je n'ai jamais parlé grossièrement à qui que ce soit. Et je ne permets pas que les personnes qui ont l'âge, certains de mes petits-enfants, certains l'âge de mes enfants, que quelqu'un puisse, chaque fois qu'on veut parler, je dis, c'est moi qui dis, si je ne fais pas, personne ne commande. Et personne ne commande dans la MUPAC. Parce que nous sommes tous les membres de la MUPAC. Et il faut un peu plus de respect que ça. Il faut que ça cesse. Ceux qui veulent être MUPAC. Ceux qui veulent être MUPAC seront avec la fondatrice de la MUPAC. Qui vous a donné l'honneur et le respect de la vieille personne. J'en ai ras-le-bol, je me suis tout depuis longtemps, je me suis laissé cuisiner, mais que ça cesse. Amen. Et qu'aujourd'hui, ceux qui veulent être les vrais MUPAC, on continue avec le vrai MUPAC, avec les menaces. Personne ne peut menacer ici et croire que la MUPAC va se taire. Non! Parce que si c'était une mauvaise cause, depuis 23 ans, où je ne suis pas membre du RDPC, tous les RDPCistes me respectent et admirent la MUPAC. On a envie, mes pères, on vous a envie. On veut vous récupérer. C'est pour cela que vous voyez toutes ces agitations. Je ne veux plus des agitations. Je veux que nous choisissons des personnes qui veulent travailler comme on a commencé à faire dans l'idéologie de la MUPAC. Notre idéologie, c'est la prise en charge de la vieille personne. Nous ne voulons pas de société. Ceux qui veulent une société, forment leur société et soient en place. Nous les respectons. Mais nous sommes pour la prise en charge de la personne âgée. L'aider dans son vécu pour le bon Dieu l'a laissé ici-bas, avec les soins de remboursement de ses soins et d'être enterré dignement. C'est pour cela que vous voyez tout le temps, on a fait notre idéologie. Tout le reste, ceux qui veulent le faire, font leur mouvement à part. Et ceux qui veulent le propriétaire aujourd'hui, nous continuons avec eux. Nous avons demandé. Je vous ai demandé de me permettre d'avoir le conseil d'administration. Sauf qu'il y en a qui ont donné leur nom, qui ont demandé, il y en a qui n'ont pas demandé. On a choisi de se faire. L'autre jour, on vous a donné le nom de cette personne. Il faut que nous continuions à travailler. On va mettre ce pays aussi un bureau exécutif. Mais que tous ceux qui ont travaillé depuis, s'ils n'entendent pas leur nom, qu'ils disent qu'il y a chaque chose pour son temps. Notons que cette mise au point intervient au moment où la Mutuelle des personnes âgées du Cameroun traverse une zone de turbulence depuis quelques années.